Quoi? Tu as rompu l'accord. Maintenant, tu sais ce que je ressens. Personne n'était censé être blessé. Personne n'était censé être blessé. Tu sauras bientôt de quoi je parle. Tais-toi! C'est bon, je lui transmettrai tes condoléances. J'en suis navrée. C'est bon. Ce n'est pas facile. Je sais. Ce n'est pas facile. Je le sais, je le sais. Ce n'est pas facile. D'accord. Désolée. Merci. Merci. Je suis vraiment désolée. Je lui transmettrai vos condoléances, d'accord? Merci. Mes condoléances. D'accord. Je suis vraiment désolée. Bye. Merci. Bonjour. Désolée, je pense que tu devrais retourner à l'intérieur et l'attendre. Non, ne t'inquiète pas, ça ira. Non, allez, va l'attendre à l'intérieur. Je pense qu'elle sera bientôt de retour. Je l'attendrai ici, ça ira. Tu es sûr? Ok. Tu es sûr de ne pas vouloir entrer? Bien sûr, ça ira. Ok. Vous allez bien? Désolé, je suis venu vous présenter mes condoléances. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu votre père et... N'est-ce pas évident? Si je voulais recevoir ces condoléances, j'aurais été ici bien avant que les invités ne partent. Je ne voulais pas vous énerver. Qui diable êtes-vous? Je suis... Pas un mot de plus. Mon père est mort et n'est plus là. Ce qui bien évidemment me rend triste. Et je me fiche d'à quel point vous êtes désolé. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Non, non, je ne voulais pas. Valérie, Valérie. C'était quoi ça? Pourquoi tu étais si dur avec ce gars?
Il essayait juste d'être gentil. Je ne suis pas d'humeur à être sympa. Valérie, tu n'es jamais d'humeur à être sympa. Écoute, je sais que tu as perdu ton père. Mais c'est normal pour les gens de partager ta peine. Tu as raison. Mais je ne suis pas d'humeur à pleurer avec qui que ce soit. Alors débarrasse-toi de lui. Valérie! Valérie! Ok. Que Dieu te pardonne, mon ami. Alors, comment était ton week-end? Ce n'était pas mal, oh. Mon week-end n'était pas si bien, oh. C'est toi qui m'as déçu. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as oublié qu'on était censé aller regarder un film au cinéma. Oh, mince! Soyez la bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ma puce. Je retourne à mon bureau. D'accord, on se voit plus tard. Ok. Avez-vous tous écrit vos noms? Rhoda? 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 Madame? Oui, madame. Qui a porté ceci? Oh, Monsieur Moyua, c'est le rapport que vous avez demandé avant de voyager. Et pourquoi est-il posé là sans être traité? Tu aurais dû l'envoyer à mon père. Tu peux partir. Renvoie tous mes appels. Je ne veux pas être dérangée. Ok. Ta secrétaire m'a dit... Rhoda que... Madame, que fait-il ici? Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas être dérangée, ni avoir des visiteurs? Oui, vous me l'avez dit, mais... C'est bon, Rhoda. Tu peux retourner à ton travail. Je travaille ici. Excuse-moi. C'est moi, le directeur général. C'est impossible. Je suis la directrice générale ici. Si vous doutez, vérifiez chez l'avocat. Mets-moi en communication avec Monsieur Tunde. Dans mon bureau tout de suite. Écoutez, si ceci est une blague, vous ferez mieux d'arrêter avant que je n'appelle la sécurité pour vous. Faites-vous plaisir. S'il te plaît, passe-moi les documents. Attention, attention, attention. Merci beaucoup. Salut. Tu es toujours aussi tellement ravissante. Merci, Monsieur Desmond. Oh, allez. Combien de fois vais-je te dire d'arrêter avec tes messieurs? Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour, Monsieur Tonnet. Connais-tu cet homme? Oui, je le connais. La faillite nous guettait. Du coup, le PDG lui a vendu ses parts, faisant de Monsieur Joey ici présent un actionnaire de l'entreprise. Je veux voir les documents qui prouvent cela. Je pense qu'ils sont là. Ok, les voilà. Ceci prendra du temps pour être vérifié.
Je peux voir la signature de mon père. Bien. L'entreprise m'appartient à présent. Ce qui signifie que je décide de qui travaille ici. Mon entreprise remboursera toutes vos parts. Et vous serez relevé de toutes vos fonctions avec effet immédiat. Je crains que nous ne puissions pas le faire. Pardon? Est-ce qu'elle est là? Oui, mais très occupée. C'est plutôt très bien pour nous. Alors dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Il a été fortement recommandé par votre père. Mon père est mort. Le contrat est scellé et toute tentative d'annulation coûtera très cher à l'entreprise. Ce qui est prévisible. Mais évitable. Bien. C'est à moi et au conseil d'en décider. Le souci, c'est que l'entreprise est en faillite. De quoi est-ce qu'il parle? Eh bien, l'entreprise a fait faillite depuis 2 mois maintenant. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Votre père voulait que le secret soit bien gardé. Ok, bien, je m'appelle Joe Tache, le directeur des opérations. Je suis désolé que vous l'appreniez de cette manière. Votre père m'a contacté sachant que je suis intéressé par les affaires. J'ai vu le potentiel et nous avons conclu. Surtout ce que vous pouvez voir dans ce contrat. Nous avons conclu que je resterai près de mon investisseur pour me rassurer que cette fois-ci les choses ne tournent pas mal. Et l'entreprise dépend fortement de son capital. C'est impossible. Un instant. En fait, je t'ai appelé la semaine dernière. Je voulais qu'on sorte. Je voulais t'emmener au cinéma. Ouais, j'y vais toujours. Oh. Où est Monsieur Awana? Madame, je ne l'ai pas vu depuis. Desmond? Oui. Quand es-tu arrivé? Juste maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Appelle-le maintenant. Il est hors du pays, madame. Depuis quand? Je ne sais pas. Personne ne me dit plus rien. Je crois qu'il a voyagé avant votre retour. Ok. Garde un œil sur lui. Tiens-moi au courant dès qu'il arrivera. Ok. Relax. N'y va pas, elle est avec tes gens et tu ne vas pas aimer l'atmosphère. Je te suggère d'attendre dans cette salle. Je peux déjà le ressentir d'ici. Et avec qui est-elle à l'intérieur? Des gens. Où est Monsieur Tunde? Il est parti après vous. Nous n'en avions pas terminé. Il y a un truc urgent dont j'aimerais parler avec vous. C'est déjà pénible de partager mon poste avec vous. Vous ne pouvez pas venir ici et me donner des ordres. Je ne vous donne pas des ordres. J'ai plein de travail à faire. Maintenant, partez. Fermez la porte derrière vous. Wow. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que tu vas bien? Mon père m'a tué. Il est mort. Tu es vivante. Je veux dire, comment a-t-il fait cela? Je suis très sérieuse là. Sérieusement, je ne comprends plus rien. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Tonton Desmond est là pour t'aider. Je suis fauchée. Tu es toujours fauchée. L'entreprise est en faillite, Desmond. Oh, mon Dieu. Comment cela est-il arrivé? Si je le savais, je ne serais pas fauchée. Et que vas-tu faire à présent? Je ne sais pas dans quoi mon père a mis les pieds. Peut-être que tu devrais parler à son avocat.
Il doit sûrement connaître quelque chose. S'il savait, il me l'aurait dit. Mais qu'en est-il de ce type qui a l'habitude de traîner? Monsieur Awana. Exactement. Il doit connaître quelque chose. Il est hors du pays. Nous ne pouvons pas juste rester là et attendre qu'il rentre. Nous devons chercher un moyen de régler tout ça. Mon père l'a déjà fait. Il nous a endetté chez ce type qui vient de partir. Comment? Pour faire court, c'est que je dois partager ma position avec lui pendant que son argent nous maintient à flot. C'est un petit prix à payer. Oh, la patronne n'aime pas partager, hein? Ce sera difficile. Tu vas t'en sortir. Je l'espère. Alors, comment tu vas? Ah, misérable. J'ai reçu un autre gars avec cette même histoire triste de cancer. Dans mon hôpital. Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc dans le frigo? Oh mon Dieu. Peux-tu t'asseoir? Non. Je te tiens. Je plaisante. Tu es terrifiée. Oh mon Dieu. Quoi? Tu m'as effrayée, tu sais. Tu es terrifiée, John. Hey, je suis là. Quand est-ce que t'es arrivée? Il y a de cela une heure. Comment es-tu entrée? Eh bien... Je n'ai pas vu ton gardien et j'ai fouillé et j'ai trouvé tes autres clés où tu les as cachées. Très brillante cachette d'ailleurs. Personne ne les aurait trouvées, tu sais. Je ne sais plus quoi faire de ce gars. Je pense que je devrais appeler la compagnie de sécurité pour qu'on m'envoie quelqu'un d'autre. Tu devrais. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Comment va les gosses? Les gosses va bien, mais tu nous manques. Quand reviens-tu? Honnêtement, je ne sais pas encore. Mais c'est une bonne chose que tu sois là, on a beaucoup de choses à rattraper. Oui, c'est vrai. J'ai fait comme chez moi. Et j'ai cuisiné quelque chose que tu vas adorer. J'ai vraiment trop hâte. Où est-ce que tu m'as mise? J'aurais souhaité que tu sois là pour m'expliquer tout ça. Tu me manques, papa. Anne, je suis rentrée. Anne, est-ce que tu es là? Ma puce, où es-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas dit, non? Je vais bien. Tu as été une amie formidable. Prends soin de tes affaires, ok? D'accord, bye. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Tu étais son fidèle bras droit.
Eh bien, j'imagine que ton père n'avait pas assez confiance en moi. Écoute, Valérie, j'ai essayé. Tu sais très bien que ton père est un homme très têtu. J'aimerais comprendre. Pourquoi quelqu'un qui fait dans les équipements de sécurité décide soudainement d'investir dans du pétrole? Ah! Je ne peux pas le blâmer pour ça, Valérie. Je ne peux pas. Tu sais, ton père avait vu en cela une opportunité pour lui de doubler ses investissements. Et quand Joe a fait son offre, ton père a accepté. Je ne peux pas le blâmer pour ça. Comment a-t-il épuisé les ressources de l'entreprise sans rien laisser pour la maintenir à flot? Ça me surprend. Je voudrais le frapper, mais je ne peux pas. Valérie, ça va aller. Tout ira bien. Calme-toi. Je ne sais plus quoi faire. Le fric est introuvable. Je pense que tu devrais laisser la police gérer cette affaire. Je n'attendrai pas la police. Je vais gérer ça à ma manière. Écoute, je ne t'encouragerai pas à te mêler des affaires de la police. Trop tard. Mes affaires, mon argent. Regarde-toi et regarde ton père. Telle père, telle fille. Ok. Permets-moi de te poser une question. Oui, vas-y. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Valérie, je te comprends. Mais j'insiste encore. Laisse la police s'en charger. Écoute, ce n'est plus prudent pour tout le monde, y compris toi. Tu connais ton père. Il n'aurait jamais voulu qu'il t'arrive quelque chose. Il ne t'aurait jamais mise en danger. Trop tard. Je comprends ce que tu ressens, Valérie. Je te comprends. Mais tu vois, c'est plus rassurant si c'est la police qui se charge de cette affaire. Tout le monde sera en sécurité, y compris toi. Ton père ne t'aurait jamais mise en danger, et tu le sais très bien. Allez! Oui. Trop tard. Bien. Tu es une tigresse. Je sais que tu peux gérer ça. Bon, je dois partir maintenant. Je dois aller récupérer mes petits-enfants à l'école. Comment vont-ils? Ils sont si mignons et si adorables, avec leurs petits pieds qui courent dans toute la maison. Oh, je dois m'en aller. Prends bien soin de toi. Madame, votre sœur est sur la ligne 1. Dites-lui que je ne suis pas là. Quoi? Je ne fais que lui répéter ça depuis... Répète-le-lui encore. Attends. Dis-lui que j'ai voyagé hors du pays. Et si elle demande où? Désolée, madame. Qu'y a-t-il encore, Rhoda? Je t'en prie, dis-lui n'importe quoi. Fais en sorte qu'elle ne me voie pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé. Je sais que j'ai débordé les limites. Je suis venu faire la paix et j'ai apporté ceci. C'est juste le déjeuner, je ne savais pas quoi apporter. Je me souviens que votre père me disait que vous aimez la soupe aux légumes. Je n'ai jamais demandé ça. Et si j'ai faim, je saurai où en acheter. Pourquoi êtes-vous si froide? Je suis sûr que ton père a été déçu de voir à quel point sa petite princesse est devenue la reine des classes qui n'a plus aucun cœur. Où est passé votre sens de l'humour?
Oh, quelle mauvaise mine pour débuter la journée. Bon appétit. Salut, bébé. Desmond? Attends. Je sens l'odeur de la soupe aux légumes. Oh, mon Dieu. Tu peux la prendre si tu veux. Alors? Es-tu sérieux? Oh, ok. C'était l'hôpital. L'un de mes patients a rechuté. Oh. Désolé, je dois partir. Je vais t'appeler plus tard. Porte-toi bien, ok? Et ce n'est pas le repas que je vous ai apporté. Et? Je sais que vous ne m'aimez pas. George... Laissez-moi parler. Ce n'est pas moi le problème ici. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne demande même pas à être votre ami. Tout ce que je veux, c'est juste un certain niveau de courtoisie pour que cette entreprise sorte du trou. Toute cette animosité ne peut pas nous aider. Je pense que vous le savez. Je ne... J'espérais que vous lisiez tous les documents de Hazel. Votre père me l'a confié avant de mourir. Mon père vous les a donnés? Oui. Et il disait que c'était une mine d'or. Oui. Il avait raison. Ok. Je m'en vais maintenant. Merci. Merci vraiment. Votre maison est très belle. C'est l'œuvre de mon père. Évidemment. Désolé. Prenez-vous souvent du temps pour vous amuser? Pardon? Je veux dire, trouvez-vous du temps pour vous détendre, décompresser? Ce n'est pas une option pour le moment. Il y a des gens qui comptent sur moi. Comme? J'ai des gens qui dépendent de ce que je leur paye à la fin du mois pour survivre. Si la compagnie tombe, je n'aurai aucun souci. Mais eux, ce ne sera pas le cas. Et à quelle vitesse pensez-vous sauver le monde avec un mal de tête? Ouais, j'ai remarqué que vous touchez votre front toutes les 5 minutes. Vous avez vraiment besoin de repos. Prenez un verre avec moi. Je vais retrouver des amis au resto. Désolée, je n'aime pas la foule. Ok, on ira dans un deux. Je vous promets que ça ne fera pas mal. On s'en ira quand vous voudrez, on ne restera pas là longtemps. Pour faire simple, c'est vous le boss. Désolée, j'ai des délais pour lundi. J'ai du pain sur la planche là maintenant. Allez, c'est vendredi. Vous avez le week-end devant vous. J'ai plein de travail, peut-être une prochaine fois. Ok, d'accord. Je vais donc m'en aller pour que vous continuez votre MSCLWT. Qu'est-ce que c'est? Merci Seigneur, ce week-end de travail. Ok. Ça va aller. Amusez-vous bien. Trouvez du temps pour vous reposer. Merci.
Que diable signifie tout ceci? Et voilà, ça recommence. Comment osez-vous vous moquer de moi de la sorte? Je croyais qu'on avait passé ce cap. De quoi parlez-vous? N'essayez pas de jouer à l'ignorante avec moi, vous savez très bien de quoi je parle. Je n'ai rien fait de mal, j'ai simplement fait ce qui était mieux pour l'entreprise. Ce qui est mieux pour l'entreprise ou ce qui est mieux pour vous? Ne m'insultez pas. Vous méritez donc tout ce qui vous arrive, espèce de pourri gâté. Wow, 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 wow. Monsieur, vous devez vous calmer. Restez en dehors de ça. Que voulez-vous? J'ai essayé d'être professionnel, j'ai essayé d'être gentil. Que voulez-vous? Mon sang peut-être? Laissez mon entreprise tranquille. Allez le dire à votre père! Oh, il est mort. Ne parlez plus jamais de moi. La ferme! J'en ai marre de vos bêtises. J'ai signé un accord avec votre père. Et les dirigeants de Hazel sont au courant de ce deal. Mais vous êtes allé dans mon dos. Profitant de ma gentillesse pour voler mes clients, pour voler mes armes. Vous pensez être la seule à avoir des talents de voleuse? Si vous me poussez à bout. Maintenant, écoutez-moi. D'un, ne me dites plus jamais de la fermer. De deux, je bosse sur le contrat Hazel depuis des années déjà. La raison pour laquelle mon père vous l'a donné, je ne le saurai jamais. Et ça justifie ce que vous avez fait? Je n'ai rien fait de douteux. D'ailleurs, j'ai conclu un meilleur accord. Ah, grâce au nom de papa, n'est-ce pas? Doutez-vous de mes compétences? Maintenant, arrêtez tout ceci. Tous les deux, ok? J'ai toujours su que vous étiez une mégère. Mais égoïste et cruelle. Maintenant, on est à égalité sur le terrain de jeu. Vous pensez pouvoir être intelligente. Vous pensez pouvoir jouer à ces jeux. Soyez prête. Joe, attendez, il y a... Mais c'était quoi, juste, tout ce drame? Bon, c'était une question rhétorique. Mais, qu'as-tu fait, juste, pour énerver ce gars? J'ai travaillé avec mon père dans cette entreprise, toute ma vie. Sais-tu à quel point c'est blessant de savoir que ton père ne te faisait pas assez confiance pour parler des problèmes, encore moins comment les résoudre? Après avoir donné de tout mon être pour réaliser ses rêves, qui est éventuellement devenu mon rêve? Qu'y a-t-il de mal à protéger ce qui m'appartient? Tu marches sur des épines. Oh, attends, avant que tu ne me frappes avec tes mots assassins. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être cruel. Juste pour montrer aux gens que tu es protectrice. En fait, cela va vous mener à un bras de fer interminable. De quel côté es-tu? Celui de ton père. Je veux dire, je ne voudrais pas que tout ce pourquoi il s'est battu vienne à s'effondrer. Parce que Valérie n'a pas pu, ou devrais-je dire, n'a pas voulu contrôler son irritation. Écoute, en affaire, tu dois apprendre à garder ton concurrent près de toi. Et cela ne peut arriver que seulement quand tu es gentil. Je veux dire, un petit compromis ici et là, dis-moi. On ne vous a pas enseigné cela à l'école de gestion. Ne pas être gentil te conduira à ta perte tôt ou tard. Et là maintenant, ce n'est pas ce que tu veux. Pourquoi devrais-je accepter les conseils de gestion de quelqu'un qui n'a jamais souffert pour quoi que ce soit? Va te faire voir, Valérie. Tu sais, ce type avait raison. Tu es cruel. Où est-ce que tu vas? Où on m'apprécie vraiment. Tu baisses déjà les bras? Non. Je n'aime juste pas rester avec la méchante Valérie. Celle qui déteste entendre la vérité sur elle-même. Espèce de lâche!
Ruth, dépêche-toi avec les documents. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de sortir. Bonjour. Bonjour à vous. Je ne vous prendrai pas trop de temps. Vous avez 5 minutes. S'il vous plaît. Vous avez dit s'il vous plaît. Ça doit valoir le coup. Désolé, monsieur. La photocopieuse ne marchait pas, j'ai dû. Bonjour, madame. Tout est déjà prêt. On a juste besoin de votre signature. Ok, pas de souci. Mettez ceci dans ma voiture. Je verrai ça monsieur. Plus tard. Alors, que puis-je faire pour vous? Je suis désolée. Ok, puis-je partir maintenant? Je sais que je mérite tout le mépris que vous manifestez actuellement. Mais de grâce, excusez-moi. Asseyez-vous. Merci. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Je ne voulais pas vous blesser, ni être protectrice. Je crois que ce qui est fait est fait. Mais je suis sincèrement désolée. Ceci vous appartient. Vous avez fait du bon travail avec ça. Et Hazel vous veut. J'ai été à mesure de signer un meilleur contrat à cause de votre initiative. Vous avez objectivement ouvert une voie à laquelle je n'aurais jamais pensé. Si j'avais travaillé toute seule, ça n'en a peut-être pas l'air. Mais mon père a toujours su ce qui était bon pour moi. Désolée d'avoir pris de votre temps. Attendez. Je sais ce qu'il vous en coûte. Merci. Calmez-vous. Quelle différence ça peut faire? Se lamenter ne fera aucune différence non plus. Je n'arrive pas à croire qu'on tournait en rond depuis des mois déjà. À croire qu'il avait injecté l'argent de l'entreprise dans ce business frauduleux. Il doit bien avoir une explication à ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de devoir mentir à nos clients. Techniquement, vous n'avez pas menti. Vous avez juste essayé de gagner du temps. J'aurais souhaité qu'il soit là pour expliquer ce qui s'est passé. Valérian ne peut pas faire cela. Mais nous ne pouvons pas attendre que les fonds de l'entreprise refassent surface. Nous devons trouver un moyen de faire sortir l'entreprise de ce pétrin. Pouvons-nous le faire? Écoutez, si vous n'aviez pas arrêté l'entreprise, ne feriez-vous pas quelque chose pour construire à base de rien? Je crois que oui. Excellent. Arrêtez donc d'être une fille à papa et croyez qu'on peut y arriver. Vous êtes d'accord? Dites quelque chose. Oui. Super. D'abord, nous devons passer des coups de fil. Non. J'ai les documents avec moi. Je ne refuse pas. En fait, vous devez comprendre. Écoutez, s'il vous plaît. Non! Merde! Oui. Thank you.
Ça a merci. Été un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci. Ravi de faire affaire avec vous. Ah. Wow. Entrez. Je suis désolée. Ok, merci. Ok, les documents. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. C'est inacceptable, Valérie. Toi, plus que quiconque, tu dois savoir que les affaires ne font sur le pain ici. Je veux dire, tu as travaillé assez longtemps auprès de ton père pour savoir une ou deux choses. Nous avons une équipe d'employés, y compris moi-même. Et nous faisons de notre mieux pour... Tu appelles ça faire de votre mieux? Votre mieux ne me préoccupe pas d'argent en ce moment. Michael, s'il te plaît, peux-tu expliquer? Le écoute, j'ai patiemment attendu la livraison. Croyez à ta parole, mais t'as échoué. Vous faites des affaires avec Seaford depuis des années déjà. Et vous n'avez jamais eu à vous inquiéter. Et maintenant, nous le sommes. Nous sommes inquiets. S'il vous plaît, je vous le demande. Je vous en supplie. Donnez-nous juste... Ça suffit. Écoute, Valérie. Je t'ai entendu dire la même chose. Encore et encore, depuis que nous sommes arrivés ici. Tout ce que nous voulons, c'est un remboursement. Ou alors, la marchandise pour laquelle on a payé. Est-ce possible de le faire? Mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. Écoute, je suis assis ici depuis des heures, jeune femme. Et ton incertitude te causera des poursuites judiciaires. Michael, allons-nous-en. S'il vous plaît, ne partez pas. S'il vous plaît. Ton père est un homme bien. J'espère que rien n'arrivera à l'héritage qu'il a laissé. Tu auras des nouvelles de nos avocats. Et merde! Ah, ah. Valérie. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, pas maintenant. J'ai croisé des clients très mécontents en venant par ici. Je suis fatiguée de parler. C'était l'ingénieur Beth Gao, PDG de l'entreprise M&M. Elle a dû venir parce qu'on n'a pas pu la livrer. Pourquoi? On a pourtant plein de réserves dans l'entreprise. Je l'aurais souhaité. Mais on n'a plus rien en réserve. Hein? On a vendu le dernier lot avant que je ne voyage. On reçoit encore les commandes des clients. Donc, on ne peut plus s'approvisionner ni même fournir à cause de l'argent qu'on a perdu? Cette entreprise est l'un de nos grands fournisseurs. Et nous sommes en train de les perdre. C'est la cinquième entreprise que nous perdons cette semaine. Bordel! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il n'y a rien qu'on puisse faire. Je suis à court d'idées. Il doit avoir quelque chose qu'on a manqué. Toi, dis-moi. N'est-ce pas toi le génie? Je suis désolée, je m'en excuse. C'est bon. Je dois me remettre au travail. Ce souci ne servira à rien. Un peu de repos ne sera bénéfique, tu sais. Parle pour toi. J'ai quelque chose à te dire. Ça va apporter l'argent? Ce que je m'apprête à te dire, c'est quelque chose que ton père ne voulait pas que tu l'apprennes avant sa mort. Mais vu la situation, je n'ai plus d'autre option. Je ne comprends pas. Ton père avait découvert quelque chose avant de mourir. Quelqu'un...
puise l'argent dans l'entreprise. Qui? Pourquoi? Es-tu sérieux? Ok, je t'appellerai plus tard. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas heureuse de me voir? Non, je suis juste surprise de te voir, c'est tout. Et viens m'embrasser et arrête de me poser trop de questions. Bienvenue. Salut. Salut. Je suis Anne, la meilleure amie de Valérie. Je croyais que c'était Desmond. Et je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Comme je disais, quels sont tes plans pour demain? Demain, quel plan? Ne me dis pas que tu as oublié. Oublié quoi? Joyeux anniversaire en avance. Oh mon Dieu. Et je ne sais pas comment tu fais pour l'oublier chaque année. Et comme d'habitude, Tata Anne vole à la rescousse. Ta seule et unique marraine préférée. Ok, tu peux le faire simple cette année. Tu dis ça chaque année et ma réponse reste la même. Qu'en est-il des dons pour l'orphelinat? Et organise quelque chose de simple pour les amis proches. Ça sonne plutôt bien. Mais pour le moment, je prends les choses en main. Tu as besoin de moi là-bas? Bien sûr. Je veux que tu sois d'humeur fidèle avant demain. Je travaille encore. Et tu es la patronne. Personne ne va te renvoyer. Valérie, s'il te plaît, lève-toi, on part. Valérie, s'il te plaît, lève-toi de cette chaise et on part. Je travaille encore, meuf. Tu veux rester avec lui? Anne. Et seras-tu là demain? Anne, arrête. Je t'invite personnellement. Tu dois être là demain. Promis? Et c'est encore quoi ton nom? Je ne l'ai pas dit. Très mignon. Je l'aime bien. Et peu importe, tu dois être là demain. Bébé, lève-toi, ne fais pas tendre. Je dois partir, sinon elle ne s'arrêtera pas. Je l'aime bien. Elle est comme ça tout le temps. Ah, Seigneur. Ma puce, je suis là, je t'attends. Où est Moussak? Oh mon Dieu. C'est vraiment très, très délicieux. Alors Desmond, ouais. Quel est le nom de ta copine? Tonya. Pardon, c'est Tonya. Oh, Tanya? Non, Tonya, comme T-O-N-Nya. Vous savez, ce repas est tellement délicieux que j'aurais étranglé quelqu'un si je n'étais pas venu à l'heure. Dieu merci, tu es venu. Au moins, je n'aurais pas à les affronter tout seul. Je veux dire, ces belles demoiselles. C'est mieux. Alors, joyeux anniversaire, Valérie. Oui, joyeux anniversaire, chérie. Je te souhaite plein d'années fabuleuses. Merci, les gars. Wow. Tu es vieille, oh. Tu célèbres le jour de ton anniversaire sur cette table juste avec 5 personnes? Wow. Je disais juste que si c'était mon anniversaire, avec toute cette richesse, wow, le roi qui serait mon chef custode. Et Kanye me servirait à boire durant toute la soirée. Anne, Joe n'a plus de vin. Ouais. Ok. Oh, désolé, je vais appeler le serveur. Serveur! Serveur, je m'en vais le chercher. Oh.
Écoute, personne ne t'a demandé d'ouvrir ta bouche, d'accord? Mais je te dis... Ferme-la. N'ouvre plus. En fait, tu ne m'as toujours pas dit ton nom. Ouais, Joe. Oui, c'est le gars qui a... Le gars qui a fait quoi? Je veux dire, le gars qui travaille avec Valérie au bureau. Ah oui, je m'en souviens. C'est le premier endroit où on s'est rencontrés, dans le bureau de Valérie. Ouais, tu devrais apprendre à tenir ta langue des fois. Valérie, tu vas bien? Tout va bien, Valérie. Attention. Valérie, assieds-toi. Tu vas bien? Donnez-lui de l'eau. Je vais bien. Es-tu sûre? Je vais bien, je suis juste fatiguée. Donnez-lui de l'eau. Valérie, comment tu peux dire que tu vas bien? Tu as failli t'évanouir, tu dois aller à l'hôpital. J'ai dit que j'allais bien. Non, c'est faux. Tu dois voir un docteur pour savoir ce que tu as. Les gars, c'est bon, je vous ai dit que j'allais bien. Elle a dit qu'elle va bien. Attends. T'es sûre que c'est pas ce truc dont tu m'avais dit? Si elle t'attend, je ferai en sorte que tu t'évanouisses pour le reste de ta vie. Et ne me demande pas comment je vais m'y prendre. Je pense que j'ai besoin d'un peu d'air frais. Mais j'arrive. Vous êtes sûre que c'est prudent qu'elle aille seule? Vas-y, avec elle. Et Valérie, tu en es sûre? Je ne peux pas aller seule. Valérie! Elle va bien! Valérie! Elle a dit que ça allait bien. Valérie. Oh. Tu es sûre que tout va bien? Je vais bien. Ouais, ça me revient. Tu m'as dit que mon père avait découvert que quelqu'un puisait dans les fonds de l'entreprise. Oui, c'est le cas. Et qui cela pourrait bien être? Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Il est mort avant de pouvoir le faire. Valérie, ne tire pas de conclusions hâtives, s'il te plaît. Ton père est mort 2 jours avant de pouvoir me le dire. C'est pour ça qu'il m'a amené dans cette compagnie, car il ne savait pas qui se confier. Même à moi? Non, ne prends pas de la sorte. C'est pas qu'il ne croyait pas en toi, il ne voulait pas juste que tu sois mêlé. Il ne savait plus exactement de qui il devait se méfier. Une personne capable de duper une entreprise multimillionnaire n'est pas une personne avec qui on peut s'amuser. Et tu ne t'attendais pas qu'il mêle sa fille, surtout alors qu'elle n'est pas capable de... Qu'il peut pas quoi? Rien. Je trouverai qui est le responsable de tout ceci. Et quand je l'aurai fait... Peux-tu me laisser m'en occuper? Dieu ne me demande pas de rester les bras croisés, à attendre que quelqu'un finisse avec moi. Je sais, laisse-moi juste m'en occuper, je suis cette affaire. Il m'a donné des informations contenant des résultats d'enquête. Mais il y a encore plein de choses à faire. Je vois. Je pense que c'est un bon début. Oui. Maintenant, t'as besoin de repos. Cherchons une place pour s'asseoir. Ok. Qu'est-ce que tu as trouvé? Je suis sûr que ceci répondra à toutes vos questions. Ne vas-tu pas me le confirmer? Mon travail est terminé. Patientez, j'arrive. Valérie, que fais-tu là? Je connais qui est le coupable. Attends. Tu es en train de dire ce que je pense? Oui. Ah, oups,
Il n'y a pas d'eau chaude dans ta... Valérie, qu'est-ce qu'elle fait ici? Quoi? Je te faisais confiance. Attends, attends, Valérie. De quoi tu parles? Valérie, Valérie, attends, qu'est-ce qu'il y a? Valérie, Valérie, attends. Attends. Que signifie tout ça? Hein? Joe, je peux tout t'expliquer. Ok, alors. Valérie, bonjour. Rhoda? 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 Écoute, Valérie, je... Rhoda! Madame? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas, madame. Qui est-elle? C'est à moi que tu demandes? Ah, je suis désolée, madame. Mais je ne sais pas comment elle est entrée ici. Tu es renvoyée. Ah, s'il vous plaît, madame, je suis vraiment désolée. Valérie. Attends et amène-la avec toi. Valérie, écoute-moi. Elle n'a même pas su quand je suis entrée. Elle était à la photocopieuse quand je me suis glissée à l'intérieur, ok? Ne la renvoie pas, s'il te plaît. Je suis désolée, madame, pardon. Rhoda, s'il te plaît, tu peux partir. Ceci est entre ma sœur et moi. Ok. S'il te plaît, va-t'en. Je suis désolée, madame, pardon. Je suis désolée. Tu as la chance que je ne t'ai pas remise aux autorités. Oui, Valérie. Mais pourquoi ne l'as-tu pas fait? Hein? C'est parce que tu sais vraiment de quoi je suis capable, pas vrai? Capable de tuer papa? Crois-tu vraiment que je l'ai fait? Ne joue pas ce jeu avec moi. Valérie, regarde-moi, non? Regarde-moi, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a l'air de jouer? Tu ferais mieux de te repentir. Je n'ai rien fait. Rien du tout. J'aimais notre père, autant que tu l'aimais aussi alors. Pourquoi? Pourquoi l'aurais-je tué? Parce que tu l'as volé. Et il était sur le point de le découvrir. Oh, es-tu sûre de ce que tu dis? Ou alors tu es juste en train de deviner, c'est ça? Je ne veux plus te parler. Maintenant, sors. Dehors. Non. Dégage d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais demandé de me laisser m'en occuper. Valérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je ne savais pas quelle était ta sœur. Tu connaissais mon père, me connaissais même avant de me rencontrer. Comment n'aurais-tu pas su qu'elle était ma sœur? Comment? C'est juste... Que chacun de vous emporte ses mensonges hors de ma compagnie. Et toi, tu as peut-être réussi à tuer mon père, à ruiner sa compagnie, rendant tout son héritage inutile. Mais tu ne t'en sortiras pas. Elle ne l'a pas fait. Je croyais que tu ne savais pas qu'elle était ma sœur. Peux-tu m'écouter et me faire confiance? Te faire confiance? Pour quelles raisons? Des raisons telles que... Je devais souffrir pour les histoires de mes parents. Je devais souffrir pour les péchés de ma mère. Oui, tu as raison. Vas-y, pleure. Bâtarde inoffensive. Je l'ai dit. Si tu as un problème avec ça, règle-le avec ta mère.
Oh, je suis désolé. On a besoin que ce dossier soit prêt dans 10 minutes. Et que vous le signiez. Signez, s'il vous plaît. J'imagine que je dois partir. Je repasserai plus tard. Elle est morte. Ma mère est morte. Valérie, j'ai fait beaucoup de choses. Mais tu es notre père. N'en fais pas partie. Je n'ai pas fait ça. Mais tu l'as volé. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes pourquoi j'ai eu à faire tout ce que j'ai fait. Je ne peux peut-être pas comprendre pourquoi. Et si c'est ce que tu avais fait qui l'a mené à la mort subite? Valérie, je peux répondre à toutes tes questions. Je peux répondre à tout ici. Je serais même capable de te mener jusqu'à la personne qui a tué notre père. Mais Joe, est la personne en qui tu devrais avoir le plus confiance. Tu sais qui a tué papa? Frida? Frida? Valérie! Parle-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? Valérie! Tu sais, pleurer ne résoudra pas ce problème. Tu sais, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de prendre tes médicaments. Et il suffit juste de te calmer et de stresser. Les résultats aideront au traitement. Sois forte. Ça va aller. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Valérie, tu t'es enfermée comme ça pendant des jours. Quoi? Lève-toi. Valérie, le temps de dormir est terminé. Lève-toi. Allez, lève-toi. Ah, pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'un étranger fait dans ma maison? Valérie, dans les Nord, c'est aussi ma maison. Attends. Attends, Valérie, calme-toi. Wow. Calme-toi. Tu vas bien? Elle est malade, oh. Je vois mal. Je vais bien, je suis juste fatiguée. Pourquoi changes-tu de sujet? Dis-lui de quitter ma maison. Valérie, s'il te plaît, je veux juste parler, s'il te plaît. Va-t'en. Valérie, tout ce qu'elle veut, c'est discuter. Alors, tu peux donc l'écouter. Valérie, je te comprends parfaitement. Je sais que t'as raison d'être en colère. Je suis surpris que tu n'as même pas appelé la police. Sors d'ici. Valérie, dans cette vie, personne n'est parfait. Pourquoi l'en vouloir? Personne n'est parfait. Alors, s'il te plaît, écoute ce qu'elle a à te dire, s'il te plaît. Exactement. Elle est ta sœur, vous avez grandi dans la même maison. Penses-tu honnêtement qu'elle a tué ton père? Écoute-la. Écoute-la pour que tu puisses l'oublier si c'est ce que tu veux. S'il te plaît. Tu as une minute. Ok. Eh bien, ma mère a été impliquée dans un accident de moto. Elle a eu de nombreuses plaies, des lésions et un cerveau touché. Elle a été dans le coma pour plusieurs jours. Le docteur a dit que son opération coûterait 78 millions. Et où est-elle censée trouver cette somme d'argent?
La meilleure solution, c'était de demander à notre père. Et ça, je l'ai fait. Mais Tata a déroté tous mes plans. Et c'est ça. Tantine. Tata Flora. Ta mère. Ok, écoute. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Elle m'a laissé croire que papa n'avait rien à faire de sa maîtresse et de son bâtard d'enfant. Elle ne m'a même pas donné la chance de m'expliquer où. Et avant que je ne me rende compte de ce qui se passait, le cas de ma mère était irréversible. J'ai demandé, j'ai prié pour que tes familles prient pour le mal qu'on a enduré. Mais pas une fois, Valérie, je le jure, en aucun jour je n'ai souhaité la mort de notre père. J'ai juste... Je voulais qu'il ressente cette frustration, qu'il ressente cette peine, qu'il ressente cette solitude. Je reconnais que ce n'était pas mes moments les plus beaux. Je voulais prendre de lui cette chose qu'il a refusé de partager, cette chose qui a détruit ma vie, cette chose qui a arraché ma mère, son argent. Mais si j'avais su, Valérie, je jure que si j'avais su que papa aurait été tué, je n'aurais rien fait, je jure. Je vais bien. Je suis désolée. Allô? Je suis désolée, Valérie. C'est bon. Ça va. Je vais bien. Valérie, John m'a demandé de te remettre ce document. Et c'est pourquoi? C'est une proposition de Freshall Cops. J'ai rendez-vous avec le DG demain et j'aimerais que tu y jettes un coup d'œil pour voir si je peux le présenter. Ok, ma secrétaire te l'apportera quand j'aurai terminé. Ok. Valérie, tu vas bien? Je veux dire, tu as perdu beaucoup de poids et tu as l'air maigre. Désolée d'avoir demandé. Tu vas finir par me tuer. Toi, tu es très vilain. Non, je dis juste la vérité, honnêtement. Ce n'est pas vrai, tu n'as pas l'air sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire la vérité? Non, c'est la vérité. Non, c'est la seule raison pour laquelle tu l'as dit. Très sûr, très sûr. Je te dis, arrête de te moquer. Non, ce que tu fais n'est pas bien, ce n'est pas drôle. Ok, maintenant, tu me fais passer pour un blagueur. Non, tu n'es pas un blagueur. Mais tu sais que tu as ce tout petit truc de... Non, pas du tout, pas du tout. Honnêtement, okay. je voulais que ça se sache de manière amusante. Bien sûr, pas ouais. De problème. Ok, d'accord, là je dois te laisser. D'accord, vas-y. Bonjour Valérie. Ne devrais-tu pas être en train de travailler au lieu de... Au lieu de quoi? Oui, tu vois. Passez un peu de temps précieux à flirter. Ce n'est pas pour ça que tu es ici. Valérie, il y a une raison que tu m'aies employée. Et je me bats pour nous sortir de cette situation. Dans lequel t'es-tu initiée? Quand es-tu devenue? Cette femme aussi amère, quand? Surveille tes mots. Peut-être que tu devrais suivre tes propres conseils. Frida. Quoi? Tu es à court de temps. Oh.
Oui? J'ai l'air de faire quoi ici? Oh! On ne fera rien! Premièrement, tu l'as tué et tu m'as trahi. Comme j'ai l'air stupide! Comme j'ai l'air stupide! M'introduire dans cette campagne m'a montré la vraie version des choses. Et pour ça, mon ami, c'est toi que je dois aviser. Ne t'amuse pas avec moi. Est-ce que tu comprends? Écoute, donne-moi ma part et je vais disparaître. Ou alors... Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je viens juste d'arriver. Ok, je vois. Ah ouais. L'accord mondial a été conclu et ils veulent tes idées. Je suis sûre que c'est pas pour ça que tu as fait tout ce chemin juste pour me dire ça. Je sais que je n'ai pas été juste envers toi et tu n'as cessé de me prouver à quel point tu étais désolée. T'aimes bien ça, pas vrai? S'il te plaît, ne recommence pas avec ça. Non, non, je ne veux pas le dire de cette façon. J'essaie juste de te taquiner, ma sœur. Attends, tu viens juste de m'appeler ta sœur? Ne l'es-tu pas? Eh bien, pour être honnête avec toi, c'est toi qui l'aimes vraiment beaucoup. Je n'ai jamais vu se comporter avec toi comme il le fait avec les autres. Je ne peux pas me mettre en couple maintenant. Ce ne sera pas avantageux pour ce type. Mais pourquoi dis-tu ça, Valérie? Tu es Valérie la forte, Valérie l'indépendante, la gentille. C'est vrai que ça prend un peu de temps pour les gens de voir ce côté gentil de toi, mais bon. Tu as laissé l'agressive, l'insolente et têtue. Valérie, aucun d'entre nous n'est parfait, aucun. De plus, c'est la seule manière de survivre dans ce monde cruel. C'est vrai que cette vie ne donne rien à personne. Tu ne vois que le bien en tout le monde. Je crois que je dois oublier cette partie de toi. Je pense que c'est aussi de ma faute. Ok, très bien. Allons dans mon bureau boire quelque chose. Je t'aide avec ton sac. Allez. Je me demande ce que papa dirait s'il nous voyait à présent. Et ma mère aurait eu un arrêt cardiaque si elle nous voyait ensemble. Oh, mon Dieu. J'aime vraiment cette mèche. Est-ce une perruque? Valérie? Valérie, où sont tes cheveux? Tu les as entre tes mains. Non, 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 je ne joue pas, Valérie, je ne joue pas. Je sais à quoi tes cheveux ressemblent d'habitude. Qu'est-il arrivé à tes cheveux? Je suis malade. J'ai le cancer. Attends, attends, que veux-tu dire par cancer? Quel genre de cancer? À quel stade c'est? Attends, je te pose une question. À quel stade c'est? Nous allons tous mourir un jour. Oh, mon Dieu, es-tu en train de mourir? Attends. D'autres personnes sont au courant. Est-ce que Joe est au courant? Ne lui dis pas encore. Mais Valérie, il a le droit de savoir. Il ne devrait pas. Ça reste entre nous, ok? Valérie. Je vous écoute. Désolé, c'était Global Corp. Il se tient en train de finaliser le contrat. Ok, je pense que tu devrais me dire l'un de tes secrets parce que tu es une employée incroyable. Peut-être qu'un jour... Ouais... Tout va bien? Oui, pourquoi? On dirait qu'il y a quelque chose qui te préoccupe. Frida, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vais bien. Non, 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 tu ne l'es pas. La vie est injuste. La vie n'est pas juste pour tout le monde. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Ouais.
De toute façon, as-tu quelque chose à manger? Ne me fais pas ça. Quoi? Je veux juste te donner quelque chose à manger. Je deviens encore plus curieux, Frida. Et je perds déjà le contrôle. Pourquoi agis-tu de la sorte? Je deviens exactement comme ta sœur. J'essaie toujours de me rapprocher d'elle. Mais par son attitude et tous mes gestes sont frustrés. Je croyais que toi et moi étions proches. Ah, tu dois me promettre de le garder pour toi. Ok, je te le promets. Non, Joe, je suis sérieux. Ça veut dire que tu ne pourras en parler à... Je te promets n'importe quoi. Libère-toi juste. Regarde-toi. Valérie. Valérie a un cancer. Ma soeur a un cancer. Je ne sais pas quel type ou quelle étape la chose, mais ça doit être vraiment grave parce que tous ses cheveux sont tombés. Le cancer. Valérie a un cancer. Ah. J'arrive. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Retire ta perruque. Quoi? Tu m'as entendu? Retire ta perruque. Je vais la retirer si tu ne le fais pas. Tu n'oseras pas. Ne me pousse pas à bout. Valérie, pour une fois, fais ce que je te demande, s'il te plaît. Je suis désolé. Ne le sois pas. Permets-moi d'être près de toi. Ne le fais pas. Non, tu ne mérites pas ça. S'il te plaît. Comment allez-vous? Bien. Salut. Assieds-toi. Viens, une minute. Desmond, il y a un truc dont je voudrais qu'on parle. C'est à propos du cancer de Valérie. Tu connais la règle, je ne peux rien te dire. Je ne veux pas te convaincre, ok? Toi et moi, nous savons ce que je ressens pour elle. Desmond, j'essaie de comprendre ceci afin que je puisse, qu'on puisse l'aider à surmonter ça et à l'accepter. Elle a le cancer du cerveau. Pour elle, n'a pas été détecté plus tôt, alors. C'est pour ça qu'elle a des maux de tête et plusieurs autres symptômes. Seigneur. On a essayé la radiothérapie, mais c'est la seule chose qu'on a pu faire. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Malheureusement, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Dis-moi, tu es un docteur, ne me dis pas ça. Je ne savais pas que tu venais. Ouais, c'est Desmond qui est passé. Oh. Comment va ma puce? Je vais mieux, et toi? Caro? Ouais. Il y a quelque chose sur mon visage. Tout le monde, Caro, Caro, je te présente tout le monde. Oh, penses-tu qu'il l'est trop? Désolée, salut. J'ai faim, je veux à manger. Je le ferai. Non, je le ferai. Non, je vais le faire, je connais la cuisine, je vais le faire pour elle. Attends. Je viens vous aider.
Ok. Oui. Bam. Oh. Ok. Oui. Wow, là je vais frapper un coup dur. Merde. Patient. Ok, prends ça, je ferai comme... Comment t'en sors? Comment? Comme tu peux l'apercevoir, je suis un très bon joueur. Bam. Ouais. C'est ton téléphone qui sonne. Désolé. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Ok? Ah, c'est ton tour. Désolé, laissez-moi prendre cet appel. Vas-y. Allô? Je suis en route. J'ai dit, je suis en route. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce une question? Je veux ma part de l'argent, c'est ce que je veux. Quel argent? Mais tu veux venir ici pour jouer au jeu? Bien, tes funérailles. Hé, reviens. Reviens ici. Toujours aussi avide d'argent, comme ta sœur. Écoute, laisse ma sœur en dehors de ça. D'accord, très bien. C'est bon. C'est bon. Je vais te donner l'argent. Mais tu dois me promettre une chose. Toi et ta cupidité devraient partir de cette ville. Bien. Hé, bébé! Apporte-moi l'argent. Je te présente le cerveau derrière ce plan. Salut, ma chérie. C'est toujours un rat de la maison qui invite un rat de la brousse à entrer. Écoute, c'est toi, Laura. J'aurais aimé que ton père soit là pour voir que c'est toi la responsable de sa mort. Penses-tu qu'on doit lui remettre l'argent? Non. Je ne pense pas. Parce qu'elle a été une terrible, terrible sœur pour ma meilleure amie. Tu n'es pas son amie. Oh, s'il te plaît. Qui s'en soucie? Ah, j'y réfléchissais aussi. Devons-nous la laisser partir? Oh non. Nous ne pouvons pas la laisser partir. Écoutez, tout ce que je veux, c'est ma part d'argent et je pourrais laisser vos vies tranquilles. Ça. Oui, tu le feras. Et c'est pour cette raison que je m'en chargerai. Alors, c'est tout ce que vous avez? Oh, brave fille, qui n'aimait pas son père. Oh oui, ton père, qu'est-ce qu'il a tué à ton avis? Mon génie, bien sûr. Je sais que ton père avait déjà mis un pied dans la tombe, tu sais, avec les complications du diabète et autres. Tu lui as juste facilité la tâche. Il sait pas! N'ose même pas. Sauf si tu ne voudrais pas avoir une chance de faire ta dernière prière. Sale rat. Tout ce que j'avais à faire, c'était nettoyer derrière Valérie. Maintenant, ce que je peux faire, c'est attendre et voir son visage. Quand elle réalisera que je lui ai enlevé tout ce qu'elle avait de plus cher. Mais qu'est-ce qu'elle t'a jamais fait? Tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour qu'il te déteste. Assez de bavardage. Nous ne sommes pas dans un film. Les gars, tu es là. Qu'est-ce que vous attendez? Tu es là! Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? C'est une blague ou quoi? Si c'est une blague, alors je suis la seule à en rire, monsieur Awana. Est-ce que vous vouliez me tuer?
Moi? Si j'ai pu comploter contre mon propre père, alors qui pensez-vous que vous êtes? Pour croire que je ne peux pas vous faire tomber, qui? L'argent répond à tout. Toi, ce pauvre type, tout ce que j'avais à faire, c'est avoir dans ma paume de main et ils t'ont vendu. Moucharde. Si je suis la moucharde, alors je suis la plus intelligente, car les fusils sont pointés sur vous. Messieurs, faites-moi une faveur. Emportez ces meurtriers et enfermez-les. Je vous arrête, tous les deux, pour le meurtre du docteur Uche Otifor. Avancez. Allez, avancez. Plus vite. Allez, avancez. Ouais. Tu sais quoi, cet hôtel est... Tu peux le dire encore. Non mais sérieusement. Comme tu peux le voir. Je comprends maintenant pourquoi tu viens tout le temps ici. Écoute, j'étais à l'étage et les chambres sont superbes. Le bar était cool. Vraiment? Et le restaurant était autre chose. Allez. C'est tout à fait ça. Oh. Maintenant tu vois pourquoi je viens ici. C'est pour ça que c'est ta maison, pas vrai? Bien. J'en ferai aussi ma seconde maison. Depuis combien de temps es-tu placé là? Pas très longtemps. Comment va ta mère? Elle est morte. Pardon? Je suis désolé de l'entendre. Accepte ma sympathie. Ça fait 4 mois, mais elle est dans un endroit meilleur maintenant. Ton père n'a jamais fait mention de ça. Et c'était aussi à cette période que Flora, la mère de Valérie, est morte. Elle est morte? Oui. Elle est morte il y a de cela 5 mois. Les riches meurent aussi. Sois indulgente. De toutes les façons, ça ne fait aucune différence. Je suis juste fatiguée d'être à la merci de mon père et ça. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait toutes ces choses. Il est trop tard pour s'en soucier maintenant, mais... J'ai tellement essayé pour me rapprocher de mon père. Assez longtemps et de beaucoup de manières. Il était une grosse chèvre pour le faire de lui-même. Alors il a demandé à sa femme de me pourrir la vie. Maintenant, ce qui est fait est fait. Es-tu sûre de ça? Es-tu sûre de ce que tu dis? Je ne serais pas assise ici à te dire ce que je suis sur le point de te dire si je n'étais pas sûre. Monsieur Awena, vous êtes le seul et la seule personne qui a toujours essayé de me protéger et ma mère aussi. De ma belle-mère. Et c'est pour ça que je viens à vous avec ça. Tu dis avoir une proposition à me faire? Oui. Je t'écoute. Vous savez, il y a des jours où mon père peut sembler être une bonne personne. Mais d'autres jours, il ne l'est pas. Vous travaillez pour lui depuis combien d'années? Des lustres? Qu'avez-vous même à prouver? Rien. Bien. Je veux le faire payer. Je veux le traîner, le vider de tout ce qu'il peut posséder. Es-tu sûr de ça? Tu veux vraiment faire ça? Tout ce que je veux que vous fassiez, essayez de le convaincre de le mettre sur la production d'huile. Je vous apporterai tous les documents nécessaires et laissez le reste pour moi. Je vais le faire payer. Quand j'aurai terminé, il n'aura rien d'autre que des regrets à se manger. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille à l'intérieur, monsieur Awena. Je ne peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui pourrait le convaincre. Quelqu'un qui... Personne n'aura des doutes. Tout ce que vous aurez à faire, c'est me donner mes 60%. L'argent sera dans votre compte. Écoutez, vous n'avez pas besoin de me donner une réponse maintenant. Juste, pensez-y. Ok? Mais souvenez-vous de ce que vous
Vous allez gagner de tout ceci. Voici ma carte. Si vous êtes partant, passez-moi un coup de fil. Sinon, ignorez tout simplement. C'était chouette de vous revoir, Monsieur Awana. Un bonsoir à votre famille. Je le ferai. Porte-toi bien. C'est vraiment incroyable. Salut, bébé. Ouais, c'est moi. Retrouve-moi à l'hôtel 3G. Oui, j'y suis. Immédiatement. Ok. On a un client qui veut voir le patron mort. Et qui est ce malheureux? Frida. Frida? Oui. La sœur de Valérie. Oui, 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 oui. L'enfant bâtard du docteur. Ce sont toujours les bâtards. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Tu sais, je me soucie un peu. Car c'est ta meilleure amie et... Et tu n'as pas à te soucier de ça. J'établis ce plan depuis des mois. Et tu me poses encore la question? Après que tu m'aies encouragée dans cette démarche? Je voulais juste être sûre que je déteste quand tu doutes de ma certitude. Je déteste ça. Je peux aussi être rusée que toi, tu sais. Je sais. C'est pour ça que je t'aime, tu sais. Alors, quand est-ce qu'on commence? Demain. Je ne peux plus attendre un autre jour. Je serai ravie de trinquer à ça, bébé. Maintenant, j'aurai la chance de me rapprocher de cette pute. Ah, je ne peux plus attendre pour voir son visage quand je lui prendrai tout. Absolument tout. Mais tu vois, je suis un peu perturbée. Dans quel genre de problème on se retrouvera s'il découvre la vérité? Et tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Focalise-toi sur comment nous trouver l'argent pendant que moi je m'occupe du sale boulot. J'ai accès à la maison, tu sais. Elle est en voyage pour une semaine. Et je suis en charge de tout. Pendant que cette salope voyage partout dans le monde. Tout ce que je dois faire, c'est de trouver un poisson lent. Pour assaisonner le tout. Et dans peu de temps, on sera en train de fêter. Génie maléfique. Tu as déjà tout planifié. Allô? Oui. Elle sait. Et Frida lui a tout dit. Toute la vérité? Oui, toi. Écoute, tu dois faire en sorte que Valérie n'aille pas voir la police, d'accord? Ok. Ok. À tout à l'heure. J'ai eu peur à l'idée de te perdre. J'ai immédiatement réagi quand j'ai vu ton message. Merci. Merci. Attendez. Pourquoi? Tu es ma meilleure amie. Réponds-moi, pourquoi as-tu tué mon père? C'était pas mon intention. Mais je me suis parlé à moi-même. Quel diable! Il avait déjà un pied dans la tombe, je l'ai juste achevé. Vu que tu es occupée à être une bonne fille, j'ai toujours été la domestique. J'ai décidé de me faciliter la tâche. Tout ça à cause de l'argent? Tu auras ce que tu mérites, toi et ce vieux con. Au moins maintenant, tu sais que personne n'est parfait. J'ai pitié pour ta famille. Écoute, Valérie. Garde ça pour les jurés. Maintenant, amenez-les. Avancez. Allez, avancez. Allez, tu vas avancer, oui. Bien joué, meuf. Bien joué. Je savais que tu pouvais le faire.
Oui, mais je suis désolée. C'est bon. Papa serait content de toi. Mettons-nous en chemin. Tu vas bien? Tu vas bien, Valérie? Valérie! Tu vas bien? Oh mon Dieu, va! Valérie! Oh mon Dieu, mettez-la dans la voiture, mettez-la dans la voiture! Ne peux pas conduire, mets-la derrière! Salut, ma puce. Salut. Salut, Valérie. Comment tu vas? Je vais bien. C'est bien d'avoir de la famille. Et les amis? Mon frère, tu vas bien? Joe, tu es là. Ouais, je sors direct de l'entreprise. J'ai oublié de vous dire, les gars. On a été en mesure de récupérer tout l'argent dans le compte de Monsieur Awana jusqu'au dernier centime. Waouh! Tu vois? Je suis heureuse maintenant. Si je mourais maintenant, je mourrais en sachant que je me suis battue et j'ai gagné. Non, tu ne mourras pas. Les infirmières seront là pour tes soins. Hein? Je veux que tu saches que, après la pluie, c'est le beau temps. On sera toujours, toujours là pour toi. Oui, toujours, ok? Prends soin de ma sœur. Oh Valérie, ne parle pas comme ça. Ne dis pas ça. Tu iras bien. Ok? Ne crois-tu pas au miracle? Parce que moi j'y crois fermement. Joe, tu crois au miracle? Bien sûr que j'y crois. Il croit, Desmond. Bien sûr, j'y crois. Tu vois, on y croit tous. Nous y croyons alors. Valérie, tu dois y croire. Tu dois être forte pour nous. Ok?